Bon matin ou bonne nuit, ça dépend, il est 4h30. Je suis au port de Cap-aux-Meules aux îles de la Madeleine. On devait partir à la pêche au homard ce matin avec nos amis les homardiers, mais COVID oblige, ce ne sera pas possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me recoucher et puis on va peut-être aller les rencontrer sur le quai à leur arrivée un peu plus tard en avant-midi. Alors, il est 9h50, il y a des homardiers qui arrivent ici, puis on va décharger et on va avoir une visite guidée en compagnie de Lynn Albert, qui est la propriétaire de la poissonnerie de la Renaissance des îles. Lynn, merci déjà. Merci, ça va super bien. Alors, explique-nous ça, mais tu es en train de peser. Ici, on voit que c'est un nouveau bateau, le King Clear, qui appartient à M. Redalio. Ça est en train de peser son homard. C'est la balance. Vous voyez qu'on n'a pas de chiffre nulle part. Parce que les pêcheurs ne veulent pas que l'autre pêcheur, c'est comme on les a. On va voir ici. Rentrez avec moi dans la cabane. Oh. La cabane du pêcheur. La cabane du pêcheur. Ici, c'est Adé. Bonjour, Adé. Ah, nous autres, on ne veut pas savoir les secrets. Top secret. Adé est en charge du débarquement. De débarquement. Puis là, on voit qu'ils viennent ici pour voir leur pesée. Et puis, après, explique comment ça marche. Comment tu fais ça dans le nord, je ne connais rien. C'est tout sur l'informatique. On rentre le poids du pêcheur brut avec le nombre de casiers qu'il a. Ça se soustrait automatiquement. Devenir son gros nez. De homard. De homard. Wow. Ça donne des petits slips de même pour le cash. Parce qu'il ne faut pas dire les peser des pêcheurs. C'est très compétitif. Et une chose intéressante, c'est qu'on leur dit de mettre 100 livres par boîte deck. Mais les pêcheurs, ceux qui sont dans un fond, il y a beaucoup de homards. Ils veulent pas que leurs voisins sachent qu'il y a beaucoup de homards. Ils vont mettre 120 livres pour pas que le voisin sache combien il y en a. Puis là, ça brise les points de trade parce que tout le monde vérifie. C'est facile de vérifier comment est-ce que chaque gars va de crate, ce qu'on appelle des casiers. Avec eux autres, ils essayent de mettre le moins de casiers possible pour que les autres disent là, une vie d'avoir moins, il avait 6 crates à son livre, 6 livres. Fait qu'ils surveillent, là, sur les quais, ça surveille. C'est pas tout le monde, mais beaucoup. C'est compétitif, ils ont 9 semaines pour gagner la main. Mais ben oui. Tous les trucs sont bons. Tous les trucs sont bons. Hey, merci. Ah ben merci, Adé, on va aller à l'usine. On va faire plaisir.